sont aussi balancés durant la fight et l'avantage économique récupéré glané par le joueur terran français est massif. Et ici on arrive à sortir de la portée du tank pour attirer les marines dans celui du joueur français. Les Vikings s'en sont sortis. Ce trade est d'une rentabilité extrême pour Clément. Ouais. Regardez le supply, l'écart qui s'est généré après cette séquence de jeu et notamment au niveau de l'économie. Rigoureusement 16 et 6 vies d'écart, c'est les 16 qu'il vient de perdre. Et puis surtout j'ai beaucoup aimé le calme et le decision making de Clem qui voit une fight et beaucoup de gens ouais. No, I mean like the problem is if someone subs and it goes like la la you just subbed whoopee subby dub yeah yeah you subscribe to Woody. Can you imagine that goes off every time someone subs? I'd have no viewers left. We're trying to commentate games over here. Ok, la mine qui va à ce bureau. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'il tente de la sauver? Il la sauve. Il me fait chier. En vrai. Enfin, en même temps, je l'aime, tu vois, mais en même temps, des fois, j'ai envie de me tabasser. Hein, tu connais la phase, quoi. Quand ouais, je vois ce genre prendre de truc. Une pelle et te l'enfoncer très fort dans l'urètre. Voilà, par exemple. Wow. I built the pylon in the wrong base. Oh no. Pour le mime, le mlim, il s'agit de Liquid Clim. Ça arrivait pas. Liquid Clim? Pour le mime, pour le mlim, Liquid Clim. Liquid Clim. Ah ouais, non, mais ça marche. I got the rhyme like Jagger, you know? Ça peut gagner des récompenses au festival de la Vanne Pérave, définitivement. Et ça, les gars, je vous le dis, c'est un festival que j'attends chaque année. Hein, donc forcément, avec le Covid, dernièrement, on l'a pas trop eu. Mais 2022, je compte dessus. Hein, et j'ai bien l'intention d'avoir une nomination à toutes les catégories. The work account is looking great. It kind of feels that, you know what Rainer really needs? It's one of these Mixu engagements, you know? How Mixu always comes in from multiple angles. I think Rainer could take a note out of that playbook. I don't think you're ready for this. Are you guys ready? Goodness, that's the wrong overlay. Professional streamer. Yay! That's what we talk about, baby. It'd be so much cooler if I didn't mess that out. Oh yes! Dune a été payé du côté de chez Soul qui veut du coup essayer de faire passer ça maintenant avec pourquoi pas la production de Liberator, mais pour ça on aurait également besoin des tanks qui pour l'instant se font prélever. On va finir par récupérer celui de temps de celui de Clem qui menaçait sa position, mais ce dernier aura été très efficace. Attention, il veut tenter des trucs ambitieux avec ce medivac chargé, mais il voit bien que l'ambition serait sanctionnée, même si ici on sauve ce cyclone envers et contre tout. Ils sont insupportables, mais... Oh non, non, non. No! 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 That's not how you deal with a lurker, mate. Baitlings are like tickle monsters for stalkers. They're like, hee hee hee, hee hee hee. And a stalker's like, stop it, stop it. You're tickling me, I don't like it. But suddenly, if you put a fucking adept in the doorway and there's Baitlings out there, it's like watching a teenage girl in a Jason movie. It's just fucking dead in 5 seconds. Parasitic bombs off on the oracles. I mean, Goblin splits his oracles into half, but... But it's still pretty stacked up. Finally starting to split the parasitic oracles away. I don't know how to say that in the last sense. The parasited oracles away. Anyways, I mean, with the ultras on the ground, I just don't see what you do against the ultras at all. Fungals come down on the oracles as well. The Phoenix are going to lift up whatever they can. The oracles are going to get into the action here. I have no idea what's going on. I really wish I could tell you more. Wait. I came up with a better one. Okay, before I go, I came up with a better one. Okay. When you're... A queen? Oh fuck. I have 3 thoughts anyways. Okay, wait. When you're a queen in your people's streets, but you're a hoe in your silk sheets. Okay.
Il faut également buter les Hellbats et les Marines. Et Marine, Coco. Attaque avec tes Hellbats pendant ce temps-là. Oh non. Il faut pas tout évacuer. Aïe. Oh la KD8. Aïe. Le dernier targeting. In case he loses in the semi, he's gonna nuke the shit out of 17 bases at once. And he's just turning blind to content. I mean, I don't even want to laugh because this is bullying to me. This honestly is. This is bullying. I want to call 911 right now and report the fact that an adult Ukrainian man is being bullied by a German boy. And I don't like it. I don't want to stand for this. We should speak up against this. This is not okay. I honestly, I mean it when I say this makes me a bit sad. Oh no. Oh no. Okay. God, I love this smell of shit cannon rushes in the morning. Just leave the game. What are you doing? What are you doing? You do, that's not how that works, bro. What? What are you gonna do? You gonna do it here now? He's trying to squeeze. Bro, the only thing you can squeeze is these nuts. That's about it. Да, да тут надо действительно ставить сам... Да что это, блядь? Вам видно? У меня какая-то реклама появляется. Суставы, блядь, в 20 лет крепкие. За дерьмо. Скачал, блядь, называется, космических рейнджеров.